savoir faire la lecture des plans, soit en métrique ou en impérial. Souvent, c'est des en anglais aussi, fait qu'il faut avoir une petite connaissance en anglais, j'ai dit en anglais. Être minutieux, ces affaires-là. Puis un des plus gros défis que j'ai eu à réaliser, c'est celui de Denver, Colorado. C'était des pièces très complexes. Ça prenait toute l'équipe pour faire ce beau projet. Non, il y a beaucoup de possibilités d'avancement. Moi, je suis rentré comme... c'était un job étudiante au départ. Ensuite, j'ai fait journalier, tout gravi les échelons jusqu'à assembleur. Les principaux avantages d'être assembleur chez Groupe Can-Am, ça serait, je te dirais, la sécurité d'emploi. On fait jamais la même chose, c'est jamais de routine. Quand il y a des nouveaux employés chez Can-Am, ben moi personnellement, j'en ai formé un d'ailleurs la semaine passée. Il a été 2 semaines avec moi. On s'est suivi pendant les 2 semaines. Puis je lui montrais mes trucs, où sont les outils, où sont disposées les choses. J'étais très fier qu'on m'ait sélectionné en tant que leader pour un projet d'une telle envergure. C'est un des plus gros projets que Can-Am a entrepris dans le système Lean. Pourquoi c'est de travailler chez Can-Am? Ben, parce qu'on fait des projets d'envergure. On est une équipe dynamique. C'est motivant de travailler chez Can-Am avec